Bonsoir. Bezrat Hashem, on va faire le kshiur. Inu nishmato. Rabbi David Eliyahu Hai ben Berir v'sarat v'bet Tayeb. Bezrat Hashem. Lehavdi lechaim tovim v'arukim lerefuato shel Yohan Haim. Yohan Haim ben Rivka. Yohan Haim Moshe ben Rivka. Il a eu un accident de voiture, il s'est fait renverser la semaine dernière par un autobus à Yerushalayim. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital, ils doivent l'opérer, les médecins présagent le pire. Comme Baruch Hashem dans cette maison avait déjà donné des shiurim pour un jeune garçon qui avait dû sauter par la fenêtre dans le cadre d'un incendie à Montreuil. Baruch Hashem, aujourd'hui on apprend de bonnes nouvelles alors que les médecins étaient très pessimistes. Il va beaucoup mieux, Baruch Hashem, par le mérite du défunt, qui a fait beaucoup pour le clan d'Israël, et par le mérite de ce shiur, qu'il est la réfoua chez les mains. Amen. 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 Alors, et réfoua chez les mains pour Chaya Vigay, Bat Luis, Bezrat Hashem, réfoua chez les mains. Hashem Refan Alayim. On fait un shiur, on voit que Bezrat Hashem, le 18 du mois Loazi, 18 mai, Bezrat Hashem, c'est l'Akba Omer. Leïloula, Drabi, Shimon, Bar Yochai. Alors, beaucoup de gens disent l'Akba Omer, c'est un jour particulier, on vient, on allume des médorot, d'accord, des feux de joie, on se réjouit par rapport à l'Aïloula du Tzadik. Iloula, ça provient du Lachon, Halel, c'est une louange. On célèbre ici l'union entre Akadosh Baruch Hu et le Tzadik. Pourquoi ? Parce que quand le tzaddik, il applique la Torah et les mitzvot, il s'unit à Dieu, et là, de là, naît énormément de mitzvot pour le clan Israël, et énormément d'enseignements pour le clan Israël. On va rappeler quelques points. Lag Baomer, pourquoi ça s'appelle Lag ? Lag, c'est le 33e jour. Maintenant, si on lit à l'envers, le mot Lag, ça vient de Gal. Gal, ça vient de l'égalote. On voit qu'il y a un débat. On se dit, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar le jour de l'Akba Omer? Et d'autres disent non, c'est le jour de l'Akba Omer où le Zohar a été dévoilé, les secrets de la Torah ont été dévoilés au clan Israël. En réalité, je vais peut-être vous étonner, quand on étudie bien les textes, c'est les deux. Et ça va beaucoup plus loin que ça. L'Akba Omer, à cette date-là, se sont passées énormément de choses. Alors quelques points, ensemble. Clé de Dieu. Bon, on voit comme on a expliqué Baruch Hashem, que premièrement, ça peut paraître curieux. On dit quoi ? Il y a un tzaddik, il est niftar, et nous on se réjouit. C'est un jour funeste. Encore, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on explique, tout simplement, parce qu'il y a le dévoilement de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'union du tzaddik. Mais on voit que d'habitude, on prend le deuil. On voit que durant la période du Homer, tout le monde le sait, il y a eu le décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva, il faut bien comprendre, il a eu 24 000 élèves. On dit dans la Gemara que 43 de ses élèves étaient plus grands en Torah que Moshe Rabbeinu. Pas en prophétie, en Torah. C'est-à-dire ils ont atteint un niveau supérieur à Moshe Rabbeinu, c'est la Gemara qui le dit. Et pourtant, ces 43 élèves-là sont morts durant l'épidémie qui a frappé le clan Israël durant la période du Homer. Ça a commencé tout de suite, durant Pessah. Durant la fête, Pessah, c'est une grande fête, donc on n'annule pas la fête de Pessah par rapport à cette période de deuil, mais il faut bien faire son calcul. 24 000 personnes qui meurent sur une trentaine de jours, ça fait pas très loin d'un millier de lévaillotes par jour dans la même ville de Jérusalem. Bien comprendre. 24 000 élèves qui sont morts dans une même ville durant la même période. Vous imaginez le nombre de familles endeuillées chaque jour? C'est énorme. La Gemara nous rapporte que le traumatisme il a été si grand pour les Bnei Israël, tellement grand, qu'ils en ont fini par oublier la Torah. Pire que ça, ils ont oublié la Torah, ils ne savaient plus comment l'étudier, ils ne savaient plus comment l'appliquer, et certains ont commencé à délaisser la Torah.
5 survivants parmi les élèves de Rabbi Akiva, 5 survivants. Et on dit que c'était pas les plus brillants. On va vous citer 2 noms. On va vous donner tous les autres noms après. Les plus connus. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. Pour nous, ce sont des grands tzadikim. Ce n'étaient pas les élèves les plus brillants de Rabbi Akiva. Cependant, eux, ils ont eu une façon de se comporter différente des autres élèves de Rabbi Akiva. C'était quoi la différence? Les élèves de Rabbi Akiva ont dit qu'ils ont été frappés d'une épidémie qui était terrible parce qu'ils n'avaient pas de kavod les uns pour les autres. Ils se dénigraient entre eux. Quand ils avaient un différent autour de la loi juive, il faut bien comprendre. On ne parle pas de gens qui se parlaient mal les uns des autres. On ne parle pas de personnes qui disaient « Non, lui, il n'est pas valable, c'est pas un bon rabbin. » Ce n'était pas un problème. Il est séfarade, il est ashkenaz, il est lubavitch, il est breslev. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, tout simplement, quand ils étudiaient ensemble, quand un donnait son avis à l'autre, l'autre disait « Non, non, c'est pas toi qui as raison, c'est moi. » Alors, ça fait quelques années que j'enseigne, Baruch HaShem, j'étais en yeshiva, j'étais dans les kolélim. Et on voit très souvent que là, quand les gens étudient en chevruta, en binôme, c'est très fréquemment le cas. On voit et on constate que lorsqu'il y a un débat entre deux personnes qui étudient ensemble, il est rare, je vous dis bien, il est rare de voir, quand ils ont un différent entre eux, l'un dire à l'autre, c'est quoi, c'est toi qui as raison. Peut-être que tu as raison, viens en vérifier. Oh. Chacun va dire, non, c'est moi qui ai raison. Les problèmes des élèves de Rabbi Akiva, lorsqu'ils avaient un différent entre eux, chacun disait « Non, c'est moi qui ai raison, et toi, t'as tort. » À leur niveau d'étude, avec le Rav qu'ils avaient, Rabbi Akiva, il faut bien comprendre c'est quoi Rabbi Akiva pour nous. Rabbi Akiva, toute la loi orale du Talmud, les Mishnayot, les Gmarot, qui sont des dévoilements qui ont été dévoilés à Moshe Rabbeinu le jour du Matan Torah, il y a de cela 3365 ans, sur leur Har Sinaï, ont été oubliés après la mort de ces 24 000 élèves et ont été réintégrés au sein du Klal Israël par le mérite des 5 élèves qui vont survivre à l'épidémie. Et toute la loi orale qu'on a aujourd'hui qui nous explique, quand on nous dit « Al tevachel gedib et chalev imo », tu ne vas pas cuire le petit veau dans le lait de sa mère. Alors nous, on aurait pu croire, c'est Davka, c'est justement le veau dans le lait de sa maman. Mais dans le lait d'une autre vache, il n'y a aucun problème. Et là, on a besoin de la loi orale pour nous enseigner qu'il s'agit en réalité de n'importe quelle viande bovine que la Torah nous interdit de la mélanger avec n'importe quel lait animal cachère. A fortiori avec un lait d'animal non cachère. On n'a pas le droit de consommer du lait d'animal non cachère. Mais là, on a besoin de la loi orale pour nous éclairer sur ces versets. Si on n'avait pas cette loi orale, on aurait peut-être pu se tromper. Et quand on nous dit, comme certains se sont trompés dans l'histoire du clan Israël, qu'il faut mettre les tulines sur notre bras et entre nos yeux, on aurait pu croire qu'il aurait suffi de mettre un clou sur un mur, d'accrocher la paire de tulines qu'on doit mettre sur la tête, et de poser notre tête sur la paire de tulines. On voit dans l'histoire du clan Israël que certains n'ont voulu comprendre que la loi écrite de la Torah, se sont plantés et ont fini par disparaître. En adoptant de mauvaises coutumes, parce qu'ils n'ont pas compris, et n'ont pas enseigné, et n'ont pas appliqué la Torah comme il se devait, parce qu'ils ont oublié qu'à travers les versets de la Torah, il y a l'enseignement oral que nous a transmis Moshe Rabbeinu. Donc on voit là bien quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi tous les béné Israël ont oublié la Torah? Il faut bien comprendre. Quand on parle des élèves de Rabbi Akiva, on parle de 24 000 élèves, on ne parle pas de petits jeunes. On ne parle pas de simples élèves. C'était tous des tzadikim, tous des rabbanim. Il y a eu 24 000 maîtres en Torah qui sont morts dans la même ville sur une très courte période. Les gens étaient attachés à leur rabbanim, ils ne comprennent pas. C'est mon rave. Il étudie avec le Gdol Hador, Rabbi Akiva. Il étudie la Torah toute la journée. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une épidémie, il les enlève tous. Les gens, ils ont oublié la Torah. Donc on voit très souvent que lorsqu'une famille est touchée par un décès, il y a cette réaction qui est compréhensible de se dire pourquoi comme ça, pourquoi maintenant quand il y a une épreuve.
Un jeune homme qui se fait renverser par un bus. Un autre qui est victime d'un incendie. Un père qui meurt jeune à cause d'une maladie. On a en droit de se poser des questions, de se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Pourquoi autant de souffrances? Et on peut finir par oublier la Torah. C'est le cas de tout le clan Israël, que grâce par le mérite des élèves de Rabbi Akiva et par le mérite des enseignements de la Torah, cette Torah a été réintroduite. Et jusque-là, on est toujours là. Et se sont levés contre nous un grand nombre d'ennemis, comme on le dit le soir de Pessah, Vishé Amdala a voté nous. On dit, cet enseignement-là, ce qui a permis à nos pères de survivre, à chaque génération sont levés contre nous des ennemis. Qu'on parle des Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte, qu'on parle des Cosaques, qu'on nous parle des Nazis, qu'on nous parle des Grecs, des Romains, on est toujours là. Et vous savez pourquoi on est toujours là? Par le mérite de la Torah. Je l'ai déjà dit ici, en géopolitique, lorsqu'on étudie à l'université, on nous apprend une simple règle pour nous dire qu'une civilisation ne peut perdurer et vivre qu'à partir du moment où elle a une culture en commun, une langue en commun, et le plus important, une terre en commun, un pays. Les Bnei Israël ont été, pendant un petit peu moins de 2000 ans, en exil, et sont revenus en Israël. Ça fait pas très longtemps qu'on est revenu en Israël. Et malgré cela, on voit qu'ils ont développé différentes coutumes, différentes cultures. Un juif ashkénaze et un juif séfarade n'ont pas les mêmes coutumes, n'ont pas forcément la même mentalité. Un juif marocain de Meknès et un juif marocain de Casablanca, c'est pas le même monde. Et on voit ça dans tous les pays. Partout. Et pourtant, on est toujours là. On est toujours là. Par le mérite de quoi? De la Torah. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut avoir différentes coutumes. Certains vont manger les légumineux à Pessah. Ces farades, ils mangent les légumineux. Les kitniotes. Les ashkénazes, ils ne mangent pas les légumineux. Il y en a qui vont tremper la matzah dans leur psouki à Pessah. D'autres, ils vont même pas prendre leur matzah, ils vont la manger loin de la table pour ne pas la tremper dans l'eau, pour ne pas qu'elle soit en contact avec un liquide. Il y a différentes coutumes. Mais on voit que malgré cela, quand on est tous revenus en Israël, on est tous revenus avec les mêmes sifrei Torah. On est même tous revenus avec les mêmes mezuzot. On est tous revenus avec les mêmes textes dans notre Torah et dans nos mezuzot. Chacun éloigné les uns des autres à des époques où il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Facebook ou Boubouk. Nadine Facebook. Il n'y avait pas Twitter, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il n'y avait pas toutes ces histoires-là. Il n'y avait pas les fax. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Et ils sont tous revenus. Et on se retrouve tous à travers les générations avec les mêmes parachutes dans la Torah. Oh, avec la même Torah. On fait tous chaque année 3 prières tous chaque jour de la semaine. Shacharit, Mincha, Arvit. Et pourtant, à Rosh Chodesh, on fait tous le Hallel, on fait tous Moussaf. On voit durant les fêtes, Shabbat, on va faire Moussaf. On voit qu'à Kippour, quelles que soient les coutumes, on va tous faire 5 prières à Kippour. Avec une façon de prononcer différente. Il y a un jour, l'Admour de Gour, l'ancien Zecher, c'est-à-dire Kadosh Livracha, le grand-père de l'Admour de Gour actuel, il a apporté un enseignement extraordinaire. Il a dit, écoutez, de quoi on vient et on se plaint quand aujourd'hui, il y a quoi comme différentes coutumes dans le clan d'Israël? Il y a les séfarades, excusez-moi, parce que j'aime bien les séfarades. Il y a les ashkénazes, il y a les chassidim qui font partie du monde ashkénaz, d'accord? Il y a Sfard, entre guillemets, il y a les yéménites. Mais à l'époque, quand on est sorti d'Égypte, accrochez-vous bien, à Kadosh Baruch Hu, il nous a enseigné 13 coutumes différentes. Une coutume pour chaque tribu, 12 tribus, et une 13e coutume pour le Bet Amigdash. Que lorsque toutes les tribus se retrouvaient dans le Bet Amigdash, il y avait une façon de lire commune pour le Sefer Torah, pour toutes les tribus. Une façon de prier commune, une façon de prononcer commune pour tout le clan d'Israël.
dans le Beth Amikdash, mais lorsque chacun retournait dans sa tribu, dans sa synagogue, dans sa maison, dans sa tribu, il y avait chacun une coutume différente, une façon de se vêtir différemment. Chaque tribu se vêtissait d'une façon différente, une façon de prononcer différente, une façon d'écrire les lettres de la Torah différente. Pour quelle raison? Alors on nous rapporte dans le Zohar quelque chose d'intéressant, et dans la Gemara et dans la Halakha. Par exemple, à Rosh Hashanah, on va avoir coutume de sonner le shofar, tantôt debout, tantôt assis. On dit pour quelle raison? On dit pour embrouiller le Satan, l'ange du mal, entre guillemets. Pour l'embrouiller, pour qu'il n'arrive pas à venir dire, regarde comment ils appliquent la mitzvah du shofar qui annule toutes les sentences dans le ciel. Prends une corne de bélier, on sonne. Ça annule toutes les sentences. À partir du moment où, lorsqu'on écoute ce son primaire et comprendre sur soi de façon intense et sincère de faire tes chouvas, ça annule toutes les sentences dans le ciel. C'est très simple à faire. Pourquoi? Parce qu'on dit façon différente d'appliquer, ça va embrouiller tout le monde. Aujourd'hui, quand il y a un juif qui va mettre des tzitziot longues, un autre il va mettre plus court, un il va mettre en dessous de sa veste, l'autre il va rentrer dans son pantalon. Ça embrouille le Satan. Quand il va venir dans le ciel, il va dire, regardez, ils n'appliquent pas la mitzvah des tzitzit comme il faut. Lui là il rentre, l'autre il sort, l'autre il met comme ceci, l'autre il met comme cela. Il dit, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu dis qu'il rentre, il faut les sortir, voilà, l'autre il sort. Tu dis faut long, voilà, il a long. Tu dis c'est trop court, il faut court, voilà, il y a court. Il y a tout. Il y a différentes coutumes, c'est là pour ça. En réalité, la pluralité, elle n'est pas là pour nous embrouiller. La pluralité, elle n'est pas là pour nous différencier. La pluralité, elle est là pour nous enrichir. Kulam arivim zelazé. On est tous garants les uns des autres. Quand on a un de nos frères qui a une coutume différente sur laquelle il se repose, parce que c'est un enseignement rabbinique sur lequel il se base, ce n'est pas une coutume de grand-mère, d'accord? Ce n'est pas le nœud du Myriam dans les foulards quand on a perdu un objet, d'accord? C'est un midrash qu'on rapporte, et au nom de Rabbi Benyamin, et au nom, et les Lounishmato de Rabbi Meir Balanes, on met la tzedaka, chose qui est rapportée dans le Talmud, on retrouve un objet perdu, ça marche, quand on suit les enseignements de nos maîtres, les enseignements rabbiniques, qui font partie de cette loi orale. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que réellement, à Lag Baomer, accrochez-vous, on nous rapporte que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il était dans la grotte, lorsque la sentence elle a été annulée, au bout de 12 ans, et que Eliyahu Hanavi est venu leur annoncer qu'ils pouvaient sortir de la grotte, d'accord? Pour quelle raison d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai il a été dans la grotte? Moi, il y a une question que j'ai posée à mes enfants, et je la pose chaque année. Ils connaissent la réponse, je bénisse. À votre avis, dans la grotte, il y a eu qui? Vous connaissez un peu l'histoire de Lag Baomer? Vous savez pourquoi Rabbi Shimon était dans la grotte? Je vais vous expliquer. Il y avait un ger toshav qu'on appelle Rabbi Yehuda ben Gerim. Un ger toshav. Quand on a entendu une discussion entre Rabbi Shimon bar Yochai, entre Rabbi Yehuda bar Ilai et Rabbi Yossi bar Chalafta. Il y a eu une discussion où il parlait du siège romain en Israël. Rabbi Yehuda bar Ilai a rapporté que c'était une bonne chose. Ils sont venus, ils ont permis de développer les routes pour permettre aux gens d'accéder plus facilement au Beth Amikdash, de venir en Israël. Ils ont développé toute l'infrastructure sur la terre d'Israël. C'est une bonne chose. Voilà. Rabbi Yossi bar Chalafta s'est tu en écoutant le commentaire de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai a rapporté, ne croyez pas. Les Romains, ce qu'ils font, c'est pas l'irvod Hachem, c'est des idolâtres. Ils font tout ça que pour eux, dans leur propre intérêt. Ils font pas ça pour l'intérêt d'Ibn Israël. Ils sont venus nous envahir. Rabbi Yehuda ben Gerim, lorsqu'il a entendu ce discours de Gibor, de Rabbi Shimon ben Yochai, il a rapporté aux autres élèves. Le bruit se faisant vite, il est arrivé jusqu'aux oreilles du gouverneur romain en Israël. Ça arrivait, ça a été rapporté jusqu'aux oreilles de César. Ce qui a été décrété, c'est la chose suivante. Rabbi Shimon bar Yochai doit être mis à mort. Rabbi Yossi bar Chalafta, qui s'est tué, va être envoyé à Tzipori, dans le nord d'Israël, pas loin de Méron.
D'accord ? Là-bas, il sera. Et Rabbi Yehuda Bar Ilaï sera nommé conseiller de César pour le récompenser. Une folie, quand même. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se retrouve wanted. Tous les Romains qui le recherchent, le bruit arrive vite. Il estime qu'il doit aller se cacher. Il va au départ se cacher dans le Beth Amidrash. Qui va le suivre ? Son fils, Rabbi Eleazar. La question que je pose chaque année à mes enfants, à votre avis, qui est plus grand ? Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Eleazar ? Parce que par la suite, lorsque les recherches vont se faire de plus en plus intenses dans la ville pour trouver Rabbi Shimon, il va devoir sa femme chaque jour qui leur apportait de la nourriture, de l'eau et du pain, une miche de pain, pour leur permettre d'étudier, se cacher dans le Beth Amidrash, sous la Teva. Ils vont décider de se sauver pour arriver dans la grotte, la fameuse grotte. Devant cette grotte-là, ils vont voir jaillir de la montagne une source et pousser un arbre. Ils comprennent que là, ils doivent s'arrêter, ils vont rentrer dans la grotte. Et pendant 12 ans, ils vont rentrer dans la grotte. Pour ne pas user leurs vêtements, ils vont enlever leurs vêtements et s'enterrer dans la terre toute la journée pour être pudiques et pouvoir étudier la Torah. Et par cette Messirut Nefesh, ils vont avoir le mérite qu'Eliaou Hanavi lui-même va venir leur enseigner les secrets de la Torah. Et ça va durer 12 ans. 12 ans. À votre avis, qui est le plus grand dans cette histoire ? Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Eleazar ? Pourquoi je vous pose cette question ? Quand on y réfléchit bien, la sentence de mise à mort ne concernait que le père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Eleazar, il était en aucun cas inquiété. La femme de Rabbi Shimon, elle a été questionnée, interrogée. Aucun mal ne lui a été fait. Rabbi Eleazar, il serait resté avec sa mère, il aurait été tranquille. Rabbi Eleazar, il a suivi son père, parce que son père, c'était son maître. Et qu'il ne voulait pas se priver des enseignements de son maître en Torah. Il ne s'est pas dit, c'est pas juste. Mon père, c'est un gdol ador, c'est un des grands de la génération. Il a dit la vérité sur les Romains. On veut le condamner à mort. C'est injuste. Pourquoi il nous fait ça à Kadosh Baruch Hu ? Pas un seul instant. Et 12 ans dans une grotte. Enterré dans la terre. Avec pour seule nourriture. Ça c'est génial. Un caroubier. Qui était à l'entrée de la grotte. Donc chaque jour, ils avaient le caroubier. Pour prendre les caroubes. Ils se nourrissaient de caroubier. Vous avez déjà vu ? Le caroube, comment ça pousse ? Ça peut être frais, mais c'est pas, c'est très bon, c'est pas très attrayant. Vous avez déjà mangé ? Ouais, mais c'est mielleux. Du caroube ? Bon, mais pendant 12 ans, c'est très riche en vitamines, mais pendant 12 ans, ils sont sortis de la grotte en mauvais état physiquement, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eleazar sont sortis de la grotte en très mauvais état. À un tel point que quand Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai a vu l'état du corps de son gendre après qu'il soit sorti de la grotte. Il s'est mis à pleurer pour nettoyer son gendre. Et les larmes de Rabbi Pinchas Ben Yair qui ont coulé sur le dos de son gendre ont brûlé les plaies de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut comprendre les souffrances de la grotte. Il y a eu de grandes souffrances dans cette grotte, dans le noir. 12 ans. Pire que ça. Au bout de 12 ans, quand ils apprennent que César est mort, et que quand César meurt, toutes ses sentences avec lui s'annulent. Donc il y a une armistice. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai n'est plus inquiété, il décide de sortir de la grotte. Il sort de la grotte. Lag BaOmer. Ils vont voir, lorsqu'ils sortent de la grotte, des juifs affairé au travail de la terre. Ils vont voir un juif, durant Shabbat, travailler la terre, porter, assour. De leur regard de sainteté, une zéra va être déclarée dans le ciel sur ce juif qui portait Shabbat, et un feu va descendre du ciel pour consommer le juif. Une batcole, une voix divine s'élève dans le ciel et dit: vous avez étudié ma Torah pendant 12 ans.
C'est pour détruire mon monde quand vous sortez de la grotte. Retournez dans la grotte. Encore pendant un an, il n'y a plus aucune zéra. Il retourne une 13e année dans la grotte. Un an. Et un an plus tard, jour pour jour, encore une fois, le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar sortent de la grotte. Durant toutes ces années-là, on nous rapporte que c'est par le mérite des amis, élèves de Rabbi Akiva, qui ont étudié pour le mérite de Rabbi Shimon, chacun de son côté, que Rabbi Shimon non seulement a pu être préservé durant toutes ces années dans la grotte, mais a pu aussi avoir le mérite d'avoir un dévoilement total des secrets de la Torah. Et tous les amis de Rabbi Shimon, lorsqu'il va sortir, vont devenir ses élèves. Il va leur dévoiler les secrets de la Torah. Il va être niftar, encore une fois, le jour de l'Akba Omer. Et les plus grands secrets de la Torah vont être dévoilés dans sa maison le jour de l'Akba Omer. Lorsqu'on rentrait dans la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il était proche de sa fin physique dans ce monde, il y avait un feu sur tous les murs de la maison. Et le feu ne brûlait pas la maison. On pouvait le toucher, c'était très agréable. Ça ne brûlait pas, ça ne chauffait pas. C'était le feu de la Torah. Raison pour laquelle le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle le Zohar. Le Zohar, ce n'est pas uniquement les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va avoir par la suite, vont venir s'ajouter au Zohar, tous les enseignements de ses élèves concernant les secrets de la Torah. Et c'est avec ces secrets-là de la Torah que l'étude de la Torah va totalement revenir au sein du clan d'Israël. Pour quelle raison? Alors c'est intéressant. On voit tout simplement que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva étudiaient tous en chevrouta, en binôme. Donc en réalité, quand on nous dit qu'il y a 24 000 élèves qui sont niftar, c'est 12 000 chevroutot, 12 000 binômes qui ont été mis à mort. 12 ans, chaque année, contre 1000 binômes. C'était pour faire le tikkun des neshamot de tous les élèves de Rabbi, Akiva. Chose extraordinaire. Ce tikkun-là, il a été fait par les souffrances que Rabbi Shimon a vécu dans la grotte, il le savait. Donc parfois, les épreuves dans ce monde viennent réparer les erreurs d'autres personnes. Et même si on ne mérite pas, et même si ça nous paraît injuste à nos yeux, parfois, certaines familles, certaines personnes peuvent être touchées par certaines sentences, soit parce qu'il y a un tikkun à faire dans la famille, soit parce qu'il y a des fautes, il y a des erreurs, soit parce que tout simplement, cette famille-là, dans tous les cas, elle a la possibilité de supporter l'épreuve pour faire le tikkun pour le clan Israël. Et dans tous les cas, même si la famille elle se doit de faire teshuva, ça fait en partie le tikkun du clan Israël, vu qu'on est tous garants les uns des autres. Quand on comprend ça, alors on comprend comment la Torah elle est revenue au sein du clan Israël par le mérite de la Torah, des élèves de Rabbi Akiva. Et on comprend comment, jusqu'à aujourd'hui, on est tous ici, avec une kippa sur la tête, en train encore de parler de l'Akba Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de ses enseignements et de la Torah. Et qu'on aspire tous une chose ici qu'à une seule chose, d'avoir une vie de juif, de vivre en tant que juif, selon les valeurs du judaïsme. Pratiquant, moins pratiquant, on veut tous être à la fin de bons juifs. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité que lorsqu'on vient et qu'on voit que Rabbi Shimon, jusqu'au dernier moment de sa vie, il n'a pas eu de cesse que d'enseigner tous les secrets qui lui ont été dévoilés dans la grotte, jusqu'au dernier moment, jusqu'à qu'il s'éteigne. Et que son lit mortuaire, il a volé dans le ciel et a été emmené jusqu'à Méron, dans la grotte, là-bas où tout le monde va aller. On rapporte que le Ha'achaim HaKadosh, il est parti spécialement, il a voyagé jusqu'en Israël pour arriver jusqu'au pied de la montagne où était enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, il n'y avait pas des routes. Quand on arrive à Méron, pour ceux qui ont déjà été, il y a une petite barrière, on grimpe, et on monte en voiture. Mais à l'époque, ce côté-là de la montagne était impraticable. Il fallait arriver par l'autre côté et grimper la montagne. Il est venu, il a grimpé la montagne, il a sorti la Kedusha. On nous rapporte qu'à partir de Rosh Chodesh Iyar, le début du mois, avant l'Akba Omer, avant le 33e jour du Omer, il y a une grande sainteté qui descend sur la montagne de Rabbi Shimon Bar Yochai par le mérite de ses enseignements. Et on nous rapporte
que cette sainteté attire tous les Bnei Israël. Pour ceux qui n'ont jamais été à l'Akba Omer à Méron, quand on va là-bas, on retrouve des juifs de toutes tendances confondues. Religieux, pas religieux, athées, même des athées, ils viennent, ils sont attirés par les secrets de la Kabbalah et les secrets de la Torah. On voit aujourd'hui qu'il y a des milieux intellectuels qui ne sont pas pratiquants, mais ils veulent étudier la Kabbalah. Makara. On voit qu'il y a des gens qui pensent que toute la Torah, ce n'est que la Kabbalah. Le début de la Kabbalah commence par les enseignements du Zohar. Le Zohar, ce n'est pas la Kabbalah. C'est le début. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, la lumière du tzaddik, l'union avec le tzaddik, ça fait des enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est quand nous, les Bnei Israël, on vient, on étudie ces enseignements-là et qu'on crée des mitzvot dans le ciel du mérite pour le clan Israël. C'est une chose extrêmement importante. Maintenant, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le tikkun qui a été fait, il a tenu par l'amour qu'il y avait entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, élèves de Rabbi Akiva. Et on voit par rapport à tout ce qu'on a dit, Baruch Hashem, que ces cinq amis-là, qui sont soutenus durant toutes ces épreuves, ont réinstauré au sein du clan Israël toute la Torah. Alors on voit dans le Talmud, c'est rapporté que les cinq élèves en question, il y a deux avis sur le nom d'un des élèves, mais ça c'est l'avis qui est reconnu par tous. Les élèves de Rabbi Akiva, les cinq élèves qui ont survécu à la Megefa, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Ba'alanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Eleazar Ben Shamua et Rabbi Nehemia. Rabbi Eleazar Ben Shamua, c'est pas le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que eux, c'est eux qui ont fait que la Torah elle est devenue ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Rabbi Akiva, après la mort de ses 24 000 élèves, il va prendre tous ses autres élèves. Il va leur dire, Va'afta l'erecha kamocha zeklal gadol batorah. D'abord, toute la Torah a été donnée pour une seule chose. Qu'on puisse s'aimer les uns pour les autres. C'est pas aime ton prochain comme toi-même. Va'afta l'erecha kamocha. C'est pas Va'afta et re'echa kamocha. C'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme c'est mal traduit. Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Ce qui veut dire. Et je sais que je vais me répéter. Quand j'aime mon prochain pour lui, je vais lui m'inquiéter de ce que lui veut pour lui. Moi, j'aime étudier la Torah, Baruch Hashem. Si on m'offre un livre de Torah, je suis le plus heureux du monde. D'ailleurs, pour ma femme et mes enfants, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'ils veulent me faire plaisir, ils disent, quel sefer va faire plaisir à papa? Des livres de décisionnaires. Enfin, c'est des pavés. Un monsieur, maintenant, il commence à peine à étudier la Torah. Je vais lui offrir le set complet de tous les psakim du Ran. Attends, il est gentil, mais je commence à étudier. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui ou non? Un monsieur, ça lui ferait plaisir d'avoir un vélo. J'aime bien parler des vélos. C'est d'actualité en ce moment. Un monsieur, ça lui ferait plaisir d'avoir un vélo. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gros abord en verre, déjà. Ça lui ferait plaisir d'avoir un vélo. L'autre, il dit, ça lui ferait plaisir d'avoir un vélo. Viens, je vais lui offrir la dernière Mercedes. Il veut un vélo, il veut pas une Mercedes. S'il veut un vélo, une Mercedes, il va être heureux. Ouais. Le monsieur, il n'a pas son permis de conduire. Il n'aime pas les voitures. Ouais. La Mercedes, l'assurance, elle coûte cher. L'entretien, ça coûte cher. Il n'a pas les moyens. C'est un cadeau. Oui. Ça fait plaisir, c'est un cadeau. Ce n'est pas forcément un cadeau. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas un super exemple, c'est l'idée. En réalité, c'est quoi? On voit qu'en réalité, par le dénigrement dont on fait preuve les uns vis-à-vis des enseignements des autres, à l'époque des 24 000 lettres de Rabbi Akiva, s'est créée une sentence dans le ciel. Et cette sentence a été réparée par l'amour que les uns avaient pour les autres. Quand le beau-père, un beau-père, voit son gendre qui a souffert, alors que le gendre, normalement, un beau-père normal, il aurait dû se dire, qu'est-ce qui lui a pris à mon gendre, avec sa stature et son rang, de parler avec des oreilles qui traînent contre les Romains? Il a laissé ma fille toute seule pendant 13 ans. Oui ou non? Shkatbar, qu'est-ce qui t'a pris de parler? Il voit son gendre qui revient. Il est heureux de le voir. Il est
Il a soif d'entendre ses enseignements de Torah. Rabbi Pinchas Ben Yair, un grand maître en Torah, est devenu l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les grands maîtres sont devenus les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai pour étudier les secrets de la Torah. On va raconter une petite histoire sur Rabbi Pinchas Ben Yair que vous comprenez qui est l'homme. Rabbi Pinchas Ben Yair, chaque jour, pour se rendre à son Beth Midrash, il devait traverser un fleuve. Maintenant, le fleuve en question, il y avait différentes grosses pierres qui servaient de pont pour traverser le fleuve. Il sautait de pierre en pierre pour traverser ce fleuve. Une nuit, la pluie est tombée sans fin. Le lendemain, le fleuve était inondé, il avait débordé, impossible de retrouver les pierres. Impossible de traverser le fleuve pour se rendre au Beth Midrash. Rabbi Pinchas Ben Yair a fait une simple tefila et le fleuve s'est ouvert en deux comme la mer Rouge pour lui permettre de passer, d'arriver au Beth Midrash. Ses élèves qui l'ont accompagné lui ont dit, Kvodarav, est-ce que nous aussi on peut traverser? Il lui a dit, celui qui n'a jamais causé du tort à son prochain, qui n'a jamais éprouvé le moindre dénigrement pour son prochain, et qui n'a jamais mal parlé de son prochain, peut traverser ce fleuve sans risque. Sinon, ne traversez pas. Aucun des élèves n'a traversé le fleuve. Rabbi Pinchas Ben Yair, le Lashon Hara, le Motsi Shem Ra, le dénigrement de son prochain, le dédain pour son prochain, c'était un homme qui ne savait pas c'était quoi. Et ce grand maître-là en Torah, Rabbi Pinchas Ben Yair, je peux vous raconter une autre histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Vous aimez les histoires? Un beau jour, il y avait un roi qui avait perdu une bague. La bague, le sceau royal. Et apparemment, il y avait une épidémie de rats. Il ne savait pas où était arrivé. Il y avait une invasion de rats dans le palais du roi. Il ne savait pas où retrouver la bague. Rabbi Pinchas Ben Yair est venu à parler dans le palais. Écoutez bien. Il a parlé avec les rats. Avec des rats. Le rat qui a avalé la bague, il est venu, il a recraché la bague devant le roi. Il y avait des centaines de témoins. Comprenez le bonhomme que c'est. L'ânesse de Rabbi Pinchas Ben Yair s'est faite voler par des brigands. Les brigands l'ont emmené dans leur cachette, dans une grotte. L'ânesse a refusé de se nourrir de paille et de fruits et de légumes, parce qu'elle ne savait pas si les maasrot avaient été prélevés, si la dîme avait été prélevée sur ce qu'on lui présentait comme nourriture. C'était du dmaï. Le dmaï, s'il y a un safek, qu'on a le droit de le donner en nourriture aux animaux. Et la nièce de Rabbi Pinchas Ben Yair refusa de se nourrir de cette nourriture, que les brigands, ils étaient obligés de venir de la rendre à Rabbi Pinchas Ben Yair. Ils ont eu peur qu'elle vienne à mourir de faim, qu'elle finisse par putréfier, qu'on retrouve à l'odeur la grotte des brigands. C'est Rabbi Pinchas Ben Yair. On dit, quand est-ce l'animal d'un homme peut se conduire selon les règles de la Torah? Où est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, un chien qui va refuser son canigou parce que c'est de la viande pas cachère? Rabbi Pinchas Ben Yair, s'il avait eu un chien, il aurait refusé le canigou. Il aurait dit, moi je veux Khalak Bet Yosef. Quand le tzaddik se comporte d'une telle façon, même son animal respecte la Torah et les mitzvot. C'est une folie. C'est le bonhomme que c'est. C'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il voit son gendre. C'est un grand maître. Il pleure. Il devient l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne fait aucun reproche. C'est tout cet amour qu'il y a eu dans leur famille, entre amis, entre Chevruta dans le cas d'Israël, qui a fait le tikkun de tout le dédain qu'il y a eu. Et le dédain, il était très, très, très léger par rapport à nous. Par rapport à la façon qu'on a de se parler les uns contre les autres, les uns vis-à-vis des autres. Les rabbins y compris aujourd'hui. Quelle facilité pour nous de venir critiquer le grand rabbin de Paris quand on voit certaines annonces sur Internet sans savoir ce qui se passe, sans avoir
l'autre son de la cloche, sans être au courant de tous les tenants et les aboutissants, c'est très facile pour nous de venir critiquer. On ne sait pas qui a tort et qui a raison. L'avenir nous dira, Bezrat Hashem. Il faut faire très attention comment on parle les uns des autres. Il faut faire très attention. On voit quoi? Si nous, on avait été les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui serait passé? Hein? Qu'est-ce qui serait passé? Si eux, ils ont été victimes d'une épidémie, qu'est-ce qu'on aurait eu, nous? Ça fait réfléchir, quand même. Et c'est par le mérite du tikkun, de l'Akba Omer, c'est par ce mérite-là, écoutez bien, que Baruch Hashem, c'est par ce mérite-là qu'il y a eu un tel tikkun qui a été fait dans le cas d'Israël que jusqu'à aujourd'hui on est protégé. Alors c'est vrai, on a eu des souffrances, c'est vrai qu'il y a eu des pogroms, c'est vrai qu'il y a eu énormément de souffrances au sein du clan d'Israël. Mais on voit qu'à chaque étape de notre vie, il est facile de venir et dire il y a eu tel événement tragique du clan d'Israël parce qu'il y avait beaucoup de non-religieux, ou parce que les gens ne pratiquaient pas, ou parce que, non. On voit qu'à chaque événement, quand le âme Israël a été touché par des événements funestes, c'est parce qu'ils ont manqué d'union dans nos rangs. On manquait d'amour les uns pour les autres. On se jugeait facilement les uns vis-à-vis des autres. C'est là qu'on vient. Et si on voit que, justement, à travers l'épreuve de l'Akba Omer, des tzadikim, comme les élèves de Rabbi Akiva, ont été touchés d'une épidémie, kalvachomer, que des gens comme nous, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si on n'a pas l'amour de notre prochain. Si on trouvait, jeudi dernier, justement, comme je ne serai pas à l'Akba Omer en Israël, j'ai emmené mes enfants, on est parti dans le nord d'Israël, pour aller à Méron, et on s'est arrêté à Tibériade, pour aller sur la tombe de Rabbi Akiva, du Ramchal, du Rambam, ça manque pas, Baruch Hashem, Tzadikim, les tombes de Tzadikim en Israël. Et on voit quoi? Que je m'arrête dans un restaurant, et j'entends une discussion entre un monsieur qui doit se marier, et un autre monsieur. Et le monsieur qui doit se marier, il a une kippa sur sa tête. Et l'autre monsieur, il n'est pas religieux. Écoutez bien l'histoire, vous allez adorer. Il lui dit, j'ai un problème. Écoutez bien, je veux me marier. Et j'ai parlé avec des gens autour de moi, des rabbins que je connais. Et pour venir célébrer mon mariage, chaque rabbin que je connais me demande une somme d'argent. Et moi, hein, on me demande 500, 600, 1000 ou 2000 shekels, j'ai pas les moyens. Déjà, je me marie, je fais un mariage simple, mais j'ai pas les moyens. Le type qui entend ça, hein, qui n'est pas religieux, en face de lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Dis-moi, toi, comment t'as demandé au rabbanim de venir célébrer ton mariage? Il dit, quoi, comment? Est-ce que t'es parti voir les rabbanim? Est-ce que tu leur as dit que Vodarav, j'aimerais que vous veniez célébrer mon mariage, mais combien ça coûte? Il dit, oui, exactement. Mais j'espère qu'ils me disent gratuit. Dis-moi à toi, le rabbin, il a une femme, il a des enfants, il va venir pour toi, avant la choupa, il va vous préparer la ketouba, il va parler avec les témoins, il va célébrer le mariage, il va faire un discours, il va rester 2-3 heures sur place pour ton mariage, si ce n'est pas 4 heures. Et tu viens, tu lui dis que Vodarav, combien ça coûte? Il a une famille à nourrir, il ne va pas te dire combien ça coûte. Va voir un rabbin. Moi j'entends ça. Et demande-lui s'il est disposé à venir te marier gratuitement. Dis que tu n'as pas les moyens. Et tu vas avoir la réponse que tu as. Tu sais quoi? Viens tout de suite, tu prends ton téléphone. On appelle quel rabbin? De tous les rabbins que tu as parlé. J'ai parlé avec 3 rabbins. Lequel tu veux, tu préfères qu'il te marie? Il dit celui-là. Dis viens, on l'appelle tout de suite. Ils l'ont appelé tout de suite. Et il lui dit, maintenant tu lui dis comme je te dis, tu n'as pas les moyens. Il appelle le rave, il lui dit, tu me mets l'ampli. Il met l'ampli. Vodarav, je vous explique. J'aimerais beaucoup que vous célébriez notre mariage, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent pour payer. Est-ce que vous pouvez venir gratuitement? Le rabbi dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il raccroche, il dit, t'as vu, t'as fait du moti shemra sur des rabbanim, t'as mal parlé, t'as critiqué, c'est toi, t'as un problème, tu ne sais pas parler. Ça change tout. Quand on vient, on parle sur son prochain. Le non-religieux, il a... Il a dit, dis-moi, tu dois apprendre à parler avec les gens. Et tu dois toujours juger ton prochain avec indulgence. C'est non religieux. Et moi, je suis pas loin. Je dis, Ashrecha Israël. C'est quoi les midot? Le Gaon de Vilna, et c'est très vicieux ce que je vais dire, mais il faut faire très attention, il faut bien le comprendre. Le Gaon de Vilna, il rapporte qu'un juif, s'il ne travaille pas ses midot, il peut connaître toute la Torah. Si c'est un menteur, ça devient le roi des menteurs. Si c'est un voleur, ça devient le roi des voleurs.
il faut qu'il travaille ses midot. Et qu'un juif qui travaille ses midot, qui travaille ses qualités, qui sont des qualités divines, ce qu'on appelle les qualités humaines, des fois les qualités humaines, sont des qualités divines. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est dans sa façon de se comporter. Dieu sait à quel moment se comporter, de quelle façon. Quand l'homme se rapproche de Dieu, c'est, il sait à quel moment et comment se comporter à chaque instant et en chaque lieu où il se trouve. Aussi simple que ça. On nous rapporte que le sud, on voit dans la halakha, quand un homme il veut s'enrichir ou quand il veut, il demande de la clémence ou quoi que ce soit, il va faire sa prière en s'inclinant vers le sud, vers telle ou telle direction. Et ça va avoir une influence, et ça marche. C'est rapporté dans la halakha, c'est quelque chose de très sérieux. Que les directions, nord, sud, est, ouest, représentent des attributs divins. La miséricorde, la rigueur. Vous savez, quelle est la direction parmi les points cardinaux qui désigne la rigueur? Le sud. Vous savez, quelle est la direction qui désigne le chesed? C'est le nord. Et ce qui est intéressant, quand on prend une nappe, bon, on voit les pays du tiers-monde, ils sont... Et les pays riches, plus on remonte vers le nord, plus ça va. Oh. Sur la nappe, bon, telle qu'elle a été dessinée, telle qu'elle a été dessinée dans tous les livres. C'était intéressant, cette histoire, quand même. Maintenant, on voit quoi, en réalité? On voit que toute l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, c'était dans une zone qui était proche du sud. Où est parti Rabbi Akiva avec ses élèves pour faire le tikkun au départ? Dans le sud. Et où est-ce qu'ils sont remontés après pour enseigner la Torah et les secrets de la Torah? Dans le nord. C'était pour faire le tikkun au niveau du din et remonter tout ce din dans le chesed, dans la miséricorde. On voit. Il suffit d'étudier la Gemara. C'est extraordinaire. Et on voit en réalité quoi, ici? Qu'il y avait un équilibre qu'on devait faire par rapport à l'amour de son prochain. Et qu'en réalité, on dit quoi? On dit que c'est bien d'être religieux et pratiquant pour travailler sur nos midot. Que quand on est religieux et qu'on pratique la Torah, ça nous sert à travailler nos midot. Et quand c'est fait comme il faut, alors on grandit, on est transformé. Si on m'avait connu, moi, à Sarcelles, il y a 30 ans, il y a 35 ans, et qu'on voit aujourd'hui, je n'étais pas un bandit, je n'étais pas un shlakish, je rasais shalom. On se dit, attends, c'est deux personnes différentes. On évolue. On est tous appelés à évoluer ici. Il y a les jeunes et les moins jeunes. On est appelés à évoluer. C'est à nous de choisir si on veut grandir, si on veut aller vers le haut ou vers le bas. Si on veut placer sa vie sous le sigle de la miséricorde, le haut, le nord, ou sous le sigle de la rigueur, le bas, le digne, le sud. Et c'est aussi simple que ça. C'est simplifié comme idée. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que des fois, au Hachem, on voit certaines personnes qui font un travail sur leur midot, que si ces personnes-là, elles font teshuva, alors elles vont faire un très grand tikkun pour le clan Israël. Et que parfois, un simple juif, non pratiquant, qui va remettre en place un religieux, parfois, sur du motzi shemra ou du lashon hara fait sur des rabbanim, dans le cadre de la célébration d'un mariage, peut permettre un grand tikkun au sein du clan d'Israël. Et vous savez quoi? Moi, je suis un Tunisien. Les Tunisiens, on est tous rachkouf. J'ai parlé avec le monsieur à la fin. Baruch HaShem. Et dès que je reviens, une fois par semaine, on organise un cours à Tibériat. Ils sont très contents à Tibériat. Il y a beaucoup de Tunisiens. Quand ils ont su qu'il y avait un rabbin tunisien, ils m'ont tous embrassé. Donc, Baruch HaShem. Il faut savoir, pour la petite anecdote, j'avais une de mes arrière-arrière-grand-mères. La mère de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, c'était le Rav Tzemach Ishai, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui était le Av Bet Dit de Tunisie. Bon, ça ne dit rien, genre, parce qu'aujourd'hui, Baruch HaShem, on étudie les Sfarim, de tous les grands tzadikim, qui font partie, tous, de l'histoire du clan d'Israël. Mais il y a certains rabbinim dont on n'entend pas parler. Ils ont écrit des tznouim, ils ont écrit des livres de l'Acha, pour leurs élèves, dans leur Bet Din, dans leur petit milieu. Et Baruch HaShem, sa mère à lui, c'était la rabbinite Esther Ishai. Et cette femme-là, après la mort de son mari, Baruch HaShem, il faut savoir que la famille Isha et Dieu bénisse en Tunisie, c'est une famille très riche. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? À son époque, à elle, bien avant le congrès sioniste, elle a décidé de terminer ses jours en Israël. Elle a dit à son fils,
Elle a pris à son époque le Rav Chaim Ktorza. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez connu, écrit un sefer extraordinaire, L'Echem Apanim. Mahou Hashem, Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Il était rabbin à Tripoli. D'accord ? Il a été rabbin en Italie. Il a eu le mérite de rentrer dans le Vatican et de voir les kélims du Beth Amikdash dans le Vatican. Et il a écrit que du fait d'avoir vu ces kélims dans le Beth Amikdash, ça lui a provoqué une telle peine qu'il est mort très peu de temps après. Mais entre-temps, il a eu le temps de fonder, proche de Tibériade, un petit village de juifs de Tunisie qui sont venus fonder la ville de Tibériade. Vous savez avec les fonds de qui? Avec les fonds de la mère de mon arrière-grand-père. Elle a pris tout l'argent de la famille, elle a aidé toutes les familles tunisiennes qui voulaient partir à Tibériade, monter un village. Après la famille Jaï, il n'y avait plus d'argent. Pas grave. Mais quand on arrive là-bas à Tibériade, il y a sa tombe, pas très loin de Rabbi Beir Balanes, dans le cimetière de Tibériade. Quand on arrive là-bas et qu'on dit son nom dans les communautés tunisiennes, et qu'on apprend, qu'ils apprennent que moi je suis un descendant, ils sont comme des fous les Tunisiens. Bon, Rachel. Donc maintenant, vous devez comprendre, c'est quoi en réalité? L'amour de son prochain, le vitour, Baruch Hashem, ça fait de grandes choses dans le ciel. Et même quand il y a des différences, il faut savoir que durant la période du Homer, il faut éviter, à cause du différent qu'il y a eu, qui n'était pas vraiment différent, entre les élèves de Rabbi Akiva, il faut éviter les débats, il faut éviter les différends, il faut redoubler d'amour de son prochain. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, on va faire vite, il y a Sfirat HaOmer, et là, je vais donner un petit truc. On nous rapporte dans la Mishnah, que pour acquérir la Torah, il y a 48 façons d'acquérir la Torah. Chaque jour du Homer, les 48 premiers jours, chaque jour correspond à une façon d'acquérir la Torah. Le Rambam rapporte une chose extraordinaire. Vous savez pour quelle raison, quand on prend le Sefer Torah, on vient en Agba, on soulève le Sefer Torah. Parce qu'une des façons d'acquérir un objet, c'est soit de le prendre et de le traîner. Donc, quand on prend le Sefer Torah, on le sort, on le prend, et on marche avec. C'est un premier kinyan. Mais quand on le soulève après, devant tout le tzibour, c'est pour permettre à tout le tzibour de faire kinyan la Torah. D'acquérir la Torah. Alors, Rambam, il dit, chaque jour, un juif, il doit acquérir la Torah. Le jour de Shavuot, c'est le jour où on acquiert la Torah, on renouvelle chaque année notre alliance auprès de Dieu. À travers la Torah. On dit que chaque jour, nous rappelle une des façons d'acquérir la Torah. Chaque jour, les 48 premiers jours, on doit se travailler sur un des points sur lesquels on acquiert la Torah. Et pour comprendre mieux quel est le point, il suffit de prendre la Mishnah et d'étudier la Mishnah en question. Et chaque jour, selon l'ordre où c'est écrit, correspond à une des acquisitions de laquelle nous devons, par laquelle nous devons acquérir la Torah de façon globale et totale. Le 49e jour correspond au jour où on acquiert totalement la Torah afin de se préparer au 50e jour qui est Shavuot. Combien de paliers il y a dans la sainteté? 50. Chaque jour du Homer, on s'élève d'un palier pour arriver au palier le plus haut le jour de Shavuot, qui est la sainteté la plus totale à travers le fait de prendre sur soi la Torah et de l'appliquer et de l'étudier. C'est aussi simple que ça. Chacun à son niveau. Ça va encore plus loin que ça. On voit que quand on prend Sfirat HaOmer, on peut dévoiler un peu des secrets, Vodarabanim. On voit quand vous prenez, regardez, on va vous dévoiler un truc, ça va vous rendre fou. Je vous avertis, ça va vous rendre fou. Il y a un nom secret qui s'appelle le Shem Ab, d'accord, qui représente différentes dimensions, c'est la dimension dans laquelle l'essence de chaque dimension, de chaque valeur, qui est le chesed, qui est la malchoute, la tiferet, etc., dont on parle. Chaque jour, on voit, par exemple, premier jour de Sfirat HaOmer, c'est Gvura Sheba Chesed. Deuxième jour, tiferet Sheba Chesed. Chaque semaine, en fait, il y a 7 semaines, correspond à une mida. Et dans chaque semaine, on rapporte. Et après, ça s'entremêle. Qu'on voit à la fin, hein. Par exemple, le dernier jour du Homer, c'est Malchut Sheba Malchut. À la fin, qu'on arrive dans la royauté la plus totale. Dans la sainteté la plus totale. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit qu'à chaque côté de chaque nom, alors il y a des noms, il y a une petite lettre.
Il y a des yud qui se baladent, des shin, des vav. Vous savez à quoi ça correspond? Chacune de ces lettres, elles sont dans le désordre. Elles ne sont pas données dans l'ordre, mais c'est ce qui correspond par rapport au Shem Av. Ce n'est pas un nom en 72 lettres. C'est un nom qui fait une quarantaine de lettres qu'on utilise, d'accord? C'était le fameux nom secret qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Le nom qu'on n'a pas le droit de dévoiler. Le nom dont certains ont usé pour faire des miracles au sein du clan Israël et se faire passer pour des prophètes. Ce fameux nom-là. D'accord? Shem HaMeforash, il y en a qui l'appellent comme ça. Les gens pensent qu'on ne le connaît pas, on le connaît très bien, on sait comment il est. Personne l'utilise, les kabbalistes ne l'utilisent pas aujourd'hui, on n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a pas le niveau. Il est là, sous vos yeux, durant la Sfirat HaOmer. Celui qui rate la Sfirat HaOmer, je dis bien qui rate la Sfirat HaOmer, c'est pas raté un jour. D'accord, t'as raté un jour, t'as arrêté, tu ne peux plus faire la bracha. Mais la misva, elle continue. Le compter, tu vas continuer à compter jusqu'à la fin du HaOmer. Qui rate, il rate un dévoilement divin, une force sublime, pour lui, pour son foyer. Il se prive de quelque chose. C'est un peu dommage. Il y a un très grand nombre de secrets dans la tfila, dans nos sidourim. Des choses extraordinaires qui seront dévoilées à chacun en temps et en heure, chacun par rapport à son niveau. Peut-être que certains parmi nous ici n'auront jamais le mérite de pouvoir accéder à ces secrets-là, et peut-être que non. Mais pour avoir accès à ces secrets-là, ça passe par une base. La base, c'est d'abord d'étudier la parachat de la semaine. De savoir, par exemple, chaque semaine, c'est quoi la paracha qu'on va lire à la synagogue. De l'étudier, de comprendre de quoi on est en train de parler. Chumash, étudier après le livre des prophètes, les Vim, les hagiographes, les Kitouvim. Étudier la Mishnah, la Gemara, la loi juive, la Halakha. Pour à la fin, une fois qu'on a tout ça, qu'on étudie dans le Pshat, arriver à la Torah métaphysique. La Gemara nous rapporte une chose extraordinaire. On terminera sur ces mots. On rapporte qu'un Talmid Chacham qui dénigre son prochain. Il ne peut pas acquérir la Torah de façon globale. Il n'aura pas accès à la Torah métaphysique. C'est-à-dire au-delà du corps et de l'esprit. La Torah qui touche réellement la Neshama. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas réellement l'amour de son prochain. Parce qu'il va dénigrer son prochain. Celui qui va dénigrer son prochain parce qu'il connaît moins de choses. Celui qui va dénigrer son prochain en lui disant « Attends, chaque semaine tu viens à la synagogue, tu ne sais toujours pas lire, pourquoi tu lis en phonétique ?» Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu viens pour écouter? Makara, il vient chaque semaine. On voit un bachour. Il vient pour respecter ses amis. Il ne sait pas faire la prière, il ne sait pas lire. Mais il est là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai eu le cas d'un bachour qui est venu chez moi une fois un Shabbat matin. Il est resté durant toute la tefila en France. Que Dieu bénisse. La tefila en Israël, elle va un peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas les ventes aux enchères. Il n'y a pas le discours avant le Sefer Torah et après le Sefer Torah. Il n'y a pas tout ça. D'accord? Ça va un peu plus vite. En France, la tefila, des fois le samedi matin, elle peut durer 4-5 heures. Le bachour, il est resté à côté de moi 4-5 heures, il s'est tué. Il n'a rien dit. À la fin, je lui dis Kol HaKavod. C'est extraordinaire. C'est un tzaddik, ça. Il faut bien savoir que nous sommes jugés chacun, pas, c'est vrai, sur l'ensemble de notre vie après 120 ans. Mais chaque instant dans cette vie, à chaque instant, on a un digne différent dans le ciel. À un moment donné, un homme, il peut être considéré comme quelqu'un de pas très bien, parce qu'il est en train de fauter. Et l'instant d'après, parce qu'il est en train de faire une misva, il peut être décrété dans le ciel sur lui qu'à ce moment-là, c'était un tzaddik. À ce moment-là, ce bachour dans le ciel, c'était un tzaddik. 5 heures, le samedi matin, à la synagogue, tzaddik. S'il le fait chaque Shabbatot, il faut l'encourager à venir. Quand on voit un nouveau visage dans une synagogue, il faut aller vers lui, l'accueillir, lui dire, viens, assieds-toi, Baruch Haba. T'as besoin de sidour, t'as pas besoin de sidour, tu veux un talit, tu veux pas talit, tu fais comme tu veux. Assieds-toi, écoute. Baruch Haba. Doucement, doucement. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un monsieur, non religieux, qui rentrera dans notre synagogue, qui aura pas de kippa, faudra lui ramener sa kippa, faudra lui demander ce qu'il veut faire. Et peut-être que ce monsieur-là sera peut-être ce monsieur de Tibériade, qui a remis en place un jeune homme qui a mal parlé de rabbani. Oh. Peut-être qu'il y a un grand potentiel dans ce monsieur-là. Et on a tous besoin les uns des autres. Donc ne pas juger son prochain sur sa simple apparence. Pour qu'il y ait le véritable amour de son prochain, on a tous besoin les uns des autres. Et qu'on soit tous réunis autour de la Torah et des mitzvot, qu'on ramène la Géoula, qu'on fasse tous teshuvah, qu'on ait tous des foyers kshérim, bezrat Hashem, dans la Torah, dans les mitzvot, des enfants et des filles, tzadikim et tzadkaniot,
Que Kadosh Baruch Hu aide chacun pour avoir le shalom baït dans son foyer, pour faire les bons choix Bezrat Hashem, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour elle, pour son mari, pour ses enfants Bezrat Hashem, et que grâce à cela, on ait la Géoula. Amen, Keni Ratzon. Rabbi Hanania ben Akasha, Amar Ratzon Kadosh Baruch Hu. שנאמר, אני חפץ מעצת פה יזיל תורה ויעדיר.